Bienvenue sur la colline de Costebelle, à Hyères. Nous allons vous présenter la chapelle de Notre-Dame de Consolation. L'endroit s'appelle Notre-Dame de Consolation et selon la légende, qui souvent nous sommes en Provence, se mêle à l'histoire, Saint-Louis, qui était de retour de la 7e croisade à Hyères en juillet 1254, avait ramené avec lui un jeune croisé hiérois que sa maman croyait mort en Palestine. Et en fait, la maman consolée, tellement heureuse, eh bien, avait construit l'ancien édifice. Ça a été un engouement terrible parce que comme c'est un lieu de pèlerinage dédié à Marie, il y a eu vraiment une effervescence. On a tout de suite réuni des fonds et on a construit très vite. L'architecte donc c'est Raymond Vaillant, le hiérois. Le sculpteur c'est Lambert Ruki qui est polonais. Et le maître verrier c'est Gabriel Loire qui est l'un des plus grands maîtres verriers de notre temps.